YouTube, j'ai mis un de mes plus beaux shots à l'arbalète, un truc de malade. Et j'ai eu la chance de spectaser un joueur franco-mongolien qui affronte un joueur monstrueux qui habite dans une caravane. Je vous laisse regarder tout ça, pensez à liker, commenter, abonnez-vous. Valorant, je jouerai pour la première fois à Valorant avec un joueur Valorant qui voudra bien jouer avec moi. Jibs. En vrai, j'aimerais trop avec Jibs. Mais le problème, c'est que vu qu'il a jamais... Je sais pas comment je peux le dire gentiment. Vu qu'il a jamais eu trop de niveau sur H1Z1, je sais pas si je peux lui faire confiance ou pas sur Valorant. Mais avec plaisir, tu vois. On y retourne chat. J'ai envie de faire une bonne game. T'es sérieux gros? Moi ça me rendrait fou si quelqu'un faisait ça chat. Mais tu vois en faisant ça, j'entretiens leur mental de tueur au mec hein. J'ai une petite idée d'arme, chat. Trois six. Joueur cross à chier. Quoi? Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est incroyable. C'est incroyable. Les gars, j'ai pas visé, je viens de tuer quelqu'un au phare. Ce kill est légendaire. Ce kill que vous venez de voir est légendaire. Faites un joli clip, faut qu'on l'envoie sur Twitter tout de suite les gars. Je lâche mon meilleur RT. Faut que vous explosiez tous les likes, tous les trucs. J'ai fait... Non mais les gars, vous vous rendez compte? Mais chat, c'est incroyablissime. C'est incroyable. C'est fou, là, ce shot. Je suis trop content. J'ai tenté ma chance, chat. Ah, ce que je lui ai mis. Quand c'est posté, chat, vous me le... Sur Twitter, vous me le dites, hein. Oh là là. Oh là là. It's time to rotation, boys. Ah, de jouer, frérot. GG, bro. Et merde. C'est con, putain. Et merde. Ça m'a fait rire moi aussi, chat.
Elle vient de lui passer à train. Oupsie, sorry. J'ai 15 kills les gars. Certains qui ont été faits de façon pharaonique, hein, chat. Quoi? L'enculé qui m'a joué à l'arbalète. Non, je me fais buter par un mec à l'arbalète derrière moi alors que personne n'a joué à l'arbalète et il y a un mec qui est accroupi dans un truc. Non, chat, il a 2 kills les gars, son 2e kill. J'ai juste envie de le regarder jouer. En fait, je pense que j'ai à apprendre de ce joueur. Du coup, on va le regarder, chat. Neuromantique la décale. Neuromantique qui craque le mec juste au-dessus. Neuromantique qui est actuellement à 2 kills. Est-ce que ce joueur doit avoir fantôme ou il doit avoir ramassé quelque chose? Oh là là, prise de cover peut-être. Et le tir monstrueux de Neuromantique, mais qui ne suffit pas pour stopper Stasi. Stasi qui n'a pas de plaque, mais qui a 4000 balles. Stasi qui va peut-être prendre la décision d'aller se refaire la cerise, comme on aime le dire ici. Et Stasi, hop, niveau 20. Qui saute sur le kill qu'il espérait avoir. Cette plaque, exactement ce qu'il attendait. Parfait. Il a des munitions et tout. Situation de 1v1v1. Stasi qui avance par le bord nord de la map. Stasi qui va peut-être décaler le gitan. Le gitan la décale par la droite. Et Stasi, non, qui a la pression. Qui a la pression de notre ami gitan. Il l'entend tousser. Il l'entend tousser. Il sait que ça vient de la droite. Il sait que le mec va sûrement arriver à droite. Ou peut-être qu'il ne sait rien tellement il est con. Il se fait tirer dessus. Il prend la cover. Il l'a vu dans le gaz. C'était le moment de décaler. Et finalement, le joueur meurt du gaz. C'est une victoire sublime de Stasi qui nous fait un 3-6 avec saccagé. Félicitations.